Salam alaikum. Donc de retour à la suite du cours codage et théorie d'information. Donc aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice 4 de l'examen 2015-2016. Donc vous avez l'énoncé de l'examen. Donc une matrice génératrice du code. On vous demande le rendement du code. Donc on vous demande de donner le nombre des configurations d'erreurs non détectables, détectables et ensuite corrigeables. On vous demande de donner toutes les équations de codage et de lister tous les messages D et les mots de code correspondants. En 4, on vous demande la matrice de contrôle de parité H, ensuite de calculer la distance minimale et de trouver de chaque configuration d'erreur, donc des 13 configurations d'une erreur, des 70 configurations de 2 erreurs, 286 configurations de 3 erreurs, et 715 configurations de 4 erreurs, donc parmi toutes ces configurations, combien de codes peut corriger. Donc on va voir aussi comment on calcule le nombre des configurations. En fait, on va le faire dans la question numéro 2. Donc, pour la première question, donc le rendement R est donné par K sur N. On sait que la matrice G est de dimension K fois N, donc à partir de G, GK qui est égal à 3 et N qui est égal à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 qui est égal à 13. Ça veut dire tout simplement que R est égal à 3 sur 13. Donc ça c'est le rendement du code. Donner le nombre des configurations d'erreurs non détectables et le nombre des configurations d'erreurs détectables. Donc, pour calculer ça, on va utiliser justement N et K. Donc, je sais que le nombre de configurations d'erreurs non détectables, c'est le nombre de mots de code. D'accord ? Donc, le nombre de mots de code. Et donné par. De la puissance K. Donc le nombre de configurations d'erreurs non détectables est égal donc, à 2 à la puissance k, est égal à 2 à la puissance, donc, si j'enlève le mot 0, moins la puissance k moins 1, donc qui est égal à 2 à la puissance k moins 13, 2 à la puissance 13 moins 1. Ça, c'est le nombre de configurations d'erreurs non détectables. D'accord ? Le nombre de configurations d'erreurs détectables, donc le nombre de config détectables, d'erreurs détectables, donc c'est égal à 2 à la puissance n moins 2 à la puissance k. Donc ça va être 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance, on a 4, 3, 2 à la puissance 3, pardon. 2 à la puissance 3. D'accord ? Donc le nombre de configurations d'erreur détectable, c'est 2 à la puissance n, donc c'est 2 à la puissance 13, moins 2 à la puissance 3. D'accord ? Le nombre de configurations d'erreur corrigeable, il correspond donc au syndrome, donc le nombre de syndrome d'erreur, qui est égal à 2 à la puissance n moins k. D'accord ? Donc ça va être moins 1. Donc ça va être 2 à la puissance n. Donc ça va être 2 à la puissance 10 moins 1. D'accord ? La question d'après, donc il faut qu'on fasse, on donne les équations de codage, donc je vais laisser la matrice G, d'accord ? Donc les équations de codage, les messages et les mots de code correspondants. Donc on remarque ici, donc c'est exprès, donc j'ai voulu donner donc, un code systématique, mais où la matrice ou bien la matrice identité se trouve à droite.
D'accord? Donc, les mots de code, on va les trouver à droite. Donc, dans le message, on va les trouver à droite dans les mots de code. D'accord? On va voir ça veut dire quoi. Donc, exactement. On vous demande les équations. D'accord? Donc, je dois écrire donc, les messages. Donc, le bit de poids fort, c'est des 0. Donc, j'ai 3 bits. D1, D2. D'accord? Qui était. Pardon, je préfère commencer par les mots de code. Donc pour la troisième question, vous avez C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Normalement, on dit jusqu'à C11, C8, C9. C10, C11, C12, C12. Qui est égal donc à D0, D1, D2 fois G. Donc, si j'essaie d'écrire toutes les équations, donc j'ai D0, D1, D2, je vais avoir. Donc, C0 qui est égal à D0 plus D1 plus D2. Donc c'est le produit donc, du message par la première colonne. D'accord? Donc c'est ou bien on peut essayer de faire les calculs. Bon, on vous demande des équations, donc je préfère procéder de cette manière. Donc c'est 1 qui est égal donc D0 plus D2. C2 qui est égal. D1 plus D2. D1 plus D2. C3 qui est égal. D0 plus D1. D0 plus D1. Ensuite, C4 qui est égal. C0, 2, 3, 4. Donc c'est D0 plus. Non, c'est D0 tout court. C4. C5. C5, c'est D1, C6, c'est D2, C7, c'est D0, plus D1, plus D2, C8, c'est D0, plus D2, C'est 11.
0, 1, 1. 1, 0, 0. 0, 1. 1, 1. 1, 1, 0. Et 1, 1, 1. Donc, on va essayer d'organiser un petit peu les choses. C'est 0, 0. Donc, le mot de code 0, 0. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0 partout. Voilà. Pour le deuxième mot de code, 0, 0, 1. Donc, c'est directement, c'est la troisième ligne de G. Donc, on va voir 1, 1, 1, 0. 0, 0, je suis en 0, 3, 0, 4, 1. Ensuite, 2 fois 0 et 2, 0 et 1. Ensuite, un D, 0, 1, 0, c'est la deuxième ligne de G. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ensuite, un des 0, 1, 1, donc c'est l'ensemble de la deuxième et la troisième ligne. Donc, l'ensemble de la deuxième et la troisième ligne. Oh, je peux utiliser les équations. Je fais exprès de calculer à partir de G. Donc, pour vous montrer donc, la méthode la plus simple. Sinon, je peux utiliser directement les équations. Donc, voilà. 0, 1, 1, c'est l'ensemble de la deuxième et la troisième. Donc, 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 1. Donc 0, 1, ensuite 0, d'accord, 1, 0, 1, donc 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, ensuite 1, 1. 1 et 1. D'accord ? 1, 0, 0, c'est la première ligne. Donc c'est 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Donc 0, 0. 1, 1. 0, 1. 0, 0. D'accord ? Ensuite, 1, 0, 1, 0, 1. Donc c'est la première ligne plus la troisième ligne. Donc, 1, donc vous allez sommer cette ligne-là de G et la troisième ligne de G. Donc 1 plus 1 c'est 0. On va voir. Donc 0. 1 plus 1 c'est 0. 1 plus, 0 plus 1 c'est 1. Ensuite 1. 1. 0. 1. 1 plus 1 c'est 0. 1 plus 1 c'est 0. Voilà. 0. On va dire qu'un 1. Ensuite, 1, 1, 1, 1, 1. Je vais vérifier plus tard dans mon tableau. On dit 1, 1, 0, c'est la première et la deuxième ligne. Donc, vous allez avoir 0, 1, 1, 1 plus 1, 0. Ensuite, 1, 1, 0. Donc, 0. Ainsi de suite. Donc 1. Voilà, on est 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Et enfin la troisième, là je sens les 3. Donc 1 plus 1, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc la deuxième, 1 plus 0, plus 1, c'est 0. La troisième, c'est 0. La quatrième, on n'est pas troisième, d'accord?
c'est 0. La quatrième, c'est 0, parce que 1 plus 1 plus 0, donc c'est 0. 1. 1. 1. Voilà. Ensuite, 1. 0. 0. On est le... Ensuite, 1, 1, 1, 1. On va vérifier avec ce que j'ai. Donc 3 fois 1, 0, 0. 3, 4 fois 1, 0, 0, 0. Et... 0, 0. De toute façon, je peux vérifier avec le poids de ma mine. Je vais calculer le poids de ma mine ici. D'accord ? Donc 1 des 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, non ? Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vérifie que l'on va atterrir, donc on dit 8, 8, on en a 7. On a c'est 0, là c'est 0, donc 1, on en a 1. La première et la dernière ligne. La première et la dernière ligne. Donc la ligne, c'est 1. Ah non, si, je n'ai pas utilisé le même ordre des messages. D'accord ? Donc, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 3, 7. 1, 2, 3, 7. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 7. 1, 0, on ira en Tfilani. On va vérifier encore une fois. Donc la première, la dernière. Donc 1 plus 1, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. Donc 0 plus 1, c'est 1. D'accord. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. Ensuite, 0 plus 1, c'est 1. 1 plus... Eh, non, mais juste... Non, qu'est-ce que c'est quoi le problème? C'est qu'il y en a 3, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. De 1 jusqu'à 13.
1, 2, 3, qui est égal au minimum d'ailleurs, parmi le code 0, c'est 7. Donc, le minimum d'ailleurs, c'est 7. Ok. Donc, on vous demande de donner toutes les équations de contrôle de parité. Donc, avant cela, il faut que je donne la matrice H. Donc, la matrice H de la matrice G. Donc, on doit identifier une matrice d'identité de taille 3 × 3, une matrice de parité. Donc, on est là. Un comme I 3 × 3. Un comme on est là. P. Donc 3 fois 10. Donc H en principe. Donc Hneya, contrairement à ce qu'on a fait dans le groupe, donc, la matrice identifiée elle est à droite. Donc Hneya va se trouver à gauche. On va avoir I. Donc de taille 10 fois 10. Donc c'est N moins K. D'accord. Donc 10 fois 10. D'accord. Et P transposé de taille donc 10 fois, fois 3. Donc, tu as H qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour écrire toute l'équation, toute la matrice, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc ça, c'est la matrice identité. Ensuite, la matrice de parité, donc LDA, donc transposée. Donc on va voir. Donc 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, deuxième c'est 1, 0, 1, ensuite 0, 1, 1, voilà, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ensuite 1, 1, 1, 1, 0, 1, et 0, 1, et 0, 1. Et il y a la matrice qui a comme H. Donc là, c'est la matrice identité. On a 10 fois 10. On a la matrice de parité. P. Donc on vous demande de donner toutes les équations de contrôle de parité. Toutes les équations de contrôle de parité. Bon, si j'utilise donc, la matrice H transposée, donc normalement, donc, les équations de contrôle de parité, donc c'est C fois H transposé. D'accord ? Donc je dois transposer cette matrice. Bon, est-ce que je dois l'écrire ? J'ai pas envie d'écrire la matrice transposée, ça va me prendre du temps. Donc on va essayer de le faire directement. Donc ici, donc, on va avoir la première équation. Donc vous avez C0 fois 1, le tout, le reste c'est 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc normalement, on va avoir C0 fois C0 plus, donc là, il y a les équations C0
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12. Normalement, jusqu'à C10 plus C11 plus C12. D'accord? Ensuite, donc, deuxième équation, hein, comme C1 plus, donc C1 plus C10 et C12 plus C10 plus C12. Ensuite, ainsi de suite, donc on m'a dit qu'à C2 plus, donc C2 plus C11 et C12. Ensuite, vous avez C3, C2. Ensuite, vous avez C3 plus C10 et C11. C3 plus C10 et C11. C4 plus C10. C4 plus C10, C5 plus C11, C5 plus C11, voilà l'idée, C5 plus C11, C6 plus C12, C6 plus C12, C7 plus C11, C10, C11, C12, C7 plus C11, C10, pardon. C10 plus C11 plus C12. C7, donc C8 plus C10 et C12, C8 plus C10 et C12. C9, plus, donc C9 plus C11 et C12. C9 plus C11 et C12. J'ai combien d'équations? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 équations. Donc à demain, chaque équation, donc je peux faire la même chose si on vous demande de donner tous les syndromes. Donc c'est à peu près la même chose si j'utilise les erreurs. Donc si j'utilise les erreurs, donc je calcule le syndrome d'erreur, où j'ai E qui est égal à où j'ai S qui est égal à E fois H. Donc même S c'est N-K. Donc normalement N-K, donc N est égal à 13, donc c'est 10. D'accord, donc c'est 10. On va avoir 10, donc un des S0, S1, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, donc T9, qui est égal à E, donc ETR, c'est quoi? C'est E0, E1. E2, E3, E4, E5, E6. Ah, ça ne va pas suffire, moi je vais pas le faire. Mais... Donc S1, la taille de S c'est N-1, donc c'est 10. S0, S1, S2, S3, S4. S5, S6.
S6, S7, S8 et S9, qui est égal, dans un appareil, j'ai oublié transposé, H transposé, qui est égal à E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 et E12. Elle est quand même fois H transposé. Donc tout ça, c'est fois H transposé. En principe, si je dois énumérer donc, tous les syndromes, donc je vais avoir 2 à la puissance 10. Donc 1024 syndromes. Donc 1024 syndromes. Dans les 12 premiers, donc, correspondent au syndrome avec une hiérarchie. D'accord ? Donc on va avoir 1024 syndromes dans les 12 premiers. Les 12 premiers. Si je comptabilise encore le vecteur ou bien le mot de code 0, donc les 13 premiers correspondent. Donc le premier va correspondre au syndrome 0 et le deuxième il va correspondre donc ou bien les autres ils vont correspondre donc au syndrome de erreur. D'accord. Donc on va voir 0 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 0. Donc l'erreur TH, donc c'est 0 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
Donc, à partir de la distance minimale, vous diminuez directement, qui est égal à 7, maintenant le code est capable de détecter, donc 10 000 moins 1, donc 6 erreurs. Le code est capable de corriger, donc 10 000 moins 1 sur 2, donc 7 moins 1 sur 2, donc 6 sur 2, 3. 3 erreurs. Là, demain, je vais mettre le code, toutes les configurations, les filons, 6 erreurs, donc il est capable de les détecter. Et toutes les configurations, les filons, jusqu'à 3 erreurs, est capable de les corriger à 100%. D'accord? Toutes les configurations de 6 erreurs et toutes les configurations de 3 erreurs. Donc la dernière question, c'est quoi? Supposons qu'en plus des 13 configurations d'une erreur, 13, ça veut dire qu'en comptabilisant les gars, le mot, normalement, j'aurais dû écrire 12. 12, c'est mal les configurations d'une erreur. Le 13e, ça correspond donc à la part de qu'il y a. Donc, 0, 12, c'est 13. Donc, c'est une configuration d'une erreur. D'accord? Alors, 0, 12. Donc, on dit 12 configurations, j'ai une erreur. Donc, le code, puisqu'il est capable de corriger jusqu'à 3 erreurs, donc les 78 configurations des 13 configurations d'une erreur, il est capable de corriger à 100%. Donc, le code. Donc, on va parler de toutes les configurations possibles. Donc, le code est capable. Donc, est capable de corriger. Donc, 2 points. 78, pardon, 13. Donc, 13 configurations de une erreur. Donc, dès qu'il n'y a pas de capable, maintenant à 100%. Donc, vas-y, on est à 100%. Donc, d'une erreur. Donc, je vais 13 configurations d'une erreur. Donc, tu as deux erreurs. Il est capable d'y corriger. Toutes, je vais deux erreurs. Donc, 78 config de 2 erreurs, il est capable de corriger à 100%. T'as 3 erreurs, il est capable de corriger à 100%. J'ai un nez, donc 286 configurations de 3 erreurs. Et un nez, t'as 4. D'accord? Comment on va calculer t'as 4? En fait, je dois calculer le nombre total de configurations que le code est capable de corriger. Enfin, là, c'est 2 à la puissance n moins k. Donc 2 à la puissance n moins k. Donc c'est 2 à la puissance 13 moins 3, donc 10. Donc 1024. 1024 configurations. Donc il nous reste combien de configurations d'erreurs que le code est capable de corriger parmi de 4 erreurs, pardon. Donc, 1024 de tout ça. Donc 1024 moins 286 moins 78 moins 13, donc config d'erreur de config de 4 erreurs. Donc la vidéo va être déposée aujourd'hui. Donc j'informe les étudiants que le début de cours est prévu donc, normalement pour la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas encore claires, donc on va essayer de faire des séances de révision. Normalement on a fait toutes les séries d'exercices. Donc rendez-vous inchallah la prochaine séance de cours présentiel. À tout ça.